Oui, c'est ça, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Pokémon Épée. Alors, attendez, les gars. Oui, c'est ça, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Pokémon Épée, la suite de Pokémon Épée. On est au 4e épisode, les gars, 4e épisode. Alors, les gars, on s'était arrêté ici. Donc, je suis un peu malade, les gars. Voilà. Voilà, on s'est arrêté ici, les gars. Ok. Alors, petit bug de son, je sais pas si on l'aura, les gars, mais petit bug de son, je sais pas pourquoi il y a un bug. Je sais pas du tout. Donc, voilà. Cette boîte Pokémon te permet d'accéder aux boîtes PC du centre Pokémon. Tu vas maintenant pouvoir changer les Pokémon de ton équipe et garder les autres bien au chaud dans tes boîtes. Allez, fonce, fais le plein de Pokémon sauvages. Tu as un Pokédex à remplir, n'oublie pas. Les terres sauvages n'attendent que toi. Ok, les gars. On est parti. Oh ouais. Il va y avoir masse Pokémon, hein. Bien. Ok, go les gens. Go. Ah ouais, là, il doit y avoir masse Pokémon. Oh, on les a pas, eux. On en a pas, les comme ça. Oh, bah, on va en attraper, hein. Napitrini sauvage, apparaît. Ouais, il n'existe pas, il est pas nouveau, mais on en a pas. Ok, donc on va... Ouais, on va direct lui mettre une attaque, parce que sinon... voilà. Comme ça, après, on va le capturer. Ok. Donc on va le capturer. J'ai acheté des Pokéballs, les gars. Hein. Tac. 1, 2, 3. C'est bon. On l'a. Hop. Nouveau Pokémon, ça fait plaisir. Ça fait plaisir. Ok. Ok. Les données d'Epitrini ont été ajoutées au Pokédex, c'est bon. Non, on va pas les donner de surnom. Alors, on va l'envoyer dans le PC. Voilà. Là, faut juste pas... Voilà. Alors, il y a quoi comme Pokémon, là? Ouais, il y a que des Epitrini. On l'a, lui, là-bas, quoi. Ah oui, on l'a. Ok. Oh, je trouve un message. Dans les terres sauvages, le stick doit... Le stick droit sert à changer l'angle de vue. Inclinez-le pour voir aux alentours. Appuyez sur le bouton L pour regarder droit devant vous. L. Ah ouais. Ah ouais. Trop bien. Alors, là, on a toujours les mêmes Pokémon. C'est quoi, ce truc? Entre deux Pokémon. Vous apercevrez parfois des vaisseaux de lumière rouge dans les terres sauvages. Ceci marque la présence d'un antre de Pokémon Dynamax. Pour l'affronter, il vous suffit d'inspecter l'antre d'où provient le vaisseau. Vous pourrez alors inviter jusqu'à 3 joueurs pour commencer le combat seul. Petite. Vous avez obtenu 50 W. Je sais pas si c'était des watts. Oui. Il y a mes poules qui font un boucon d'enfer. Wesh! Chut! Bon, j'ai 3 poules. Je les aime. Une grande quantité d'énergie émane de cet antre. Vous avez obtenu 300 watts. Battez un Pokémon Dynamax et vous aurez une chance de le capturer. Vous pourrez également mettre la main sur des objets rares qu'il est impossible d'obtenir ailleurs. Les Pokémon sont capables d'agir de manière inhabituelle et peuvent par exemple lancer plusieurs capacités d'appui pour les affronter. Il est indispensable de former une équipe de 4 dresseurs. Comment en solo, hein. Les dresseurs viennent vous aider. Ok, cool. Ah, parce que moi j'ai personne, les gars, pour jouer à moins que je trouve quelqu'un. Ah ouais. Ouais.
Aïe! Togepi. Oh, c'est le titre de la vidéo, les gars. Non, c'est le titre de la vidéo. Togepi sauvage en Dynamax. Ok, donc on va l'attaquer, on va lui mettre flamèche. Ah ouais, ça me fait mal, je pense. Narmolamax. C'est trop stylé. Oui. C'est la défense. Ah. Ok, cool. Ok, la défense de Togepi. Ah ouais, c'est... Oh, elle lui a mis cher. Petit critique. Ouh. On lui met cher, hein. Dynamax. Non, vraiment. Ah non. Faut avoir une certaine quantité d'énergie. Ah ouais. Ok. Ah ouais, c'est trop bien, hein. Ok, ben je savais pas du tout, les gars. Je suis trop content. Oh ouais. Yes. Il a brûlure. Achet. Fouet de feu, ça lui met mal. Ah, lui, il fait mal. Oui. Giga impact. Oh, critique. Oh là là, on l'a battu, les gars. On l'a battu. C'est le moment de lancer une Pokéball. Et on va utiliser une Pokéball. Oh. Oh ouais, trop stylé. Oui. Ah ouais, il est énorme. Trop bien. Je kiffe. Deux. Trois. On l'a eu. On a eu notre Togepi. Oh, trop bien. Oh, c'est trop bien. Ah ouais, bonbons. On a eu des bonbons, des baies et tout. Oh, c'est trop stylé. Ok, cool. Non, on va pas lui donner de surnom. On va l'inclure dans l'équipe, hein, les gars. On va... Alors. Faut pas trop mettre... il est... Non, pas Fanlambino. Bon, lui, hein. Zigzaton. Oh, trop bien. Oh, c'est tellement stylé. C'est tellement bien. Oh, il y en a une autre. Oh, on les a pas. Oh, cool. On va l'attraper. On va l'attraper, les gars. Voilà. Alors. Hein? Mais celui-là, il joue. Oh, c'est l'attaque de... Ok, on va lui faire Pokéball. Hop, vous avez attrapé début camp. Je sais plus comment. Je sais pas comment ça se dit. Ah ouais, Togepi est niveau 17. Oh, mais c'est énorme. Il est déjà niveau 17 quand tu l'attrapes. Ouais, on va oublier une capacité. On va enlever. On va enlever charge, hein, les gars. Tac. Tada. Et a pris double pied. Voilà. C'est cool, ça. C'est trop bien. Ok. Ça, c'est fait. On va pas lui donner de surnom. On va l'envoyer dans une boîte de PC. Il y a tellement en vrai de trucs que je sais pas trop quoi faire. Oh, venez, on va faire ça. 50. Ok. Oui. On va faire gaffe de pas. Ok, les amis, donc c'est la fin de cette vidéo. On va s'arrêter là, les gars.
Je vais faire plein de petits épisodes comme ça, voilà, ce sera mieux. Mes copains, ils m'ont dit, ouais, fais plus petit et tout. Donc les gars, on s'arrête là, on se retrouve dans le prochain épisode.